Marianne, Michel Néron, bonjour. Bonjour Dominique. Merci de recevoir JTCV chez vous, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Michel, situez-moi en quelques mots le gîte Le Clos du Gers. Le gîte Le Clos du Gers est situé à Clamensanne, à 15 km environ de Sisteron, dans la vallée du Sas. Alors justement, dans cette vallée du Sas, qui est renommée, comment dirais-je, pour la faune, pour toutes ces randonnées, pour tous ces sports, quels sont les hébergements que vous proposez? Alors je propose deux sortes d'hébergements. Un hébergement, un gîte dans la maison que vous avez derrière vous, et un peu plus loin, à environ 100 mètres, toujours sur une colline, six petites maisons équipées pour 6 personnes et avec la grande piscine juste en dessous de ces maisons. Alors j'imagine que le Clos du Gers et ses alentours offrent de nombreuses activités. Bref, on ne s'ennuie pas chez vous, Michel. Alors effectivement, on ne peut pas s'ennuyer ici parce que évidemment nous avons les activités nautiques, canyoning, etc., kayak dans la Durance, etc., l'escalade, tous les sports aériens, le vol à voile évidemment, planeur, etc., et les randonnées qui sont absolument illimitées. Et dès le départ de la propriété, que ce soit à pied, en vélo, à cheval, voilà. Ça, c'est super. Ma dernière question, Michel, donnez-moi quand même de bonnes raisons de séjourner au gîte Le Clos du Gers. Regardons autour de nous, Dominique. Oui. Je pense que c'est déjà une réponse presque suffisante. Michel, tout est dit. Mais en dehors de ça, c'est quand même la nature préservée et sans aucune pollution. Et si je peux me permettre, l'accueil de Marianne et de Michel. Merci Dominique. En tout cas, merci pour votre accueil et toutes ces informations qu'on retrouve sur vos différents sites internet. Et bienvenue, nous allons trinquer au club JTCV. Avec plaisir. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve au plus vite dans le 04, enfin les Alpes de Haute-Provence. Bye bye.